Hello tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve pour la septième vidéo de ma série teinture. Pour l'instant, la dernière, il y en aura évidemment d'autres puisqu'il y a d'autres projets, mais je pense que ce sera plutôt dans quelques semaines. Là, on va s'arrêter pour le moment et on recommencera donc une série un petit peu plus tard dès que je m'y serai attelée. Puisque vous savez que j'ai d'autres projets en cours. Il y avait des choses que j'avais commencé que je ne vous ai toujours pas montré en vidéo. Voilà, donc et puis j'ai mon junk à finir. Donc là, je vais avoir quand même de quoi faire. Donc je pense que la série teinture, ça pour un petit moment, mais j'ai d'autres idées, donc on continuera donc plus tard dans le courant de l'hiver. Je vous rappelle que cette teinture m'avait été soufflée l'idée par l'atelier à quatre mains. Je vous l'avais précisé donc dans la précédente vidéo qui concernait la teinture au baies de sureau. Donc voici pour celle-ci, je trouve le rendu super sympa. Vous savez que l'ortie, eh bien, on en trouve partout, autant il y a d'autres teintures qui ne sont pas évidentes, comme la teinture au brou de noix, parce que voilà, il faut se procurer un noyer, il faut avoir des connaissances, etc., ou éventuellement un jardin. Là, en ce qui concerne l'ortie, vous pouvez en shipper n'importe où, parce qu'il y en a partout. Alors évidemment à la campagne, hein, parce que dans les villes, on n'a pas d'ortie, mais voilà, en cherchant bien, on en trouve. Et ça vaut vraiment le coup, parce qu'on est sur une couleur qui est assez chouette, qui change un petit peu des autres couleurs. On est sur une couleur assez prononcée, donc franchement, j'aime assez le rendu. Le seul reproche que je ferais, c'est l'odeur. Donc l'odeur est un petit peu doucereuse. C'est quelque chose qui est un petit peu incommodant. Donc je me demande si à l'avenir, comment dirais-je, je ne parfumerai pas le papier en mettant peut-être éventuellement dans ma pochette, puisque tout est mis dans des pochettes. Je vais peut-être mettre un peu de lavande pour parfumer et enlever cette odeur. Parce que voilà, ça c'est le seul truc qui est incommodant. Bon, cela dit, je ne l'ai pas laissé non plus vraiment aérer. Tout de suite, quand j'ai tout fait sécher, je l'ai mis ensuite à l'intérieur. Bon, peut-être que voilà, feuille par feuille, ce sera moins incommodant, mais voilà, moi je trouve qu'il y a une petite odeur qui est un petit peu gênante. C'est le seul bémol à cette teinture, mais encore une fois, voilà, vous pouvez trouver de l'ortie partout. Donc comme d'habitude, voici les photos. Donc vous le remarquerez, j'ai coupé donc de l'ortie que j'ai mis à chauffer dans de l'eau bouillante comme pour l'autre. J'ai laissé cuire, j'ai laissé infuser donc après 15 minutes, j'ai laissé refroidir, j'ai filtré et j'ai trempé comme d'habitude dans mon bac, mon bain, mes papiers donc dans mon bain d'ortie. Et voici le résultat. Alors je vous avais dit que j'avais un petit bout de tissu rescapé. Le voici, ce petit bout de tissu, puisque vous savez que le reste bien était resté sur le fil à linge et que eh bien l'eau avait tout délavé. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a plein de marques, il n'est pas uniforme. Et je trouve ça génial. Voilà. Pour mon petit bout de tissu. Donc c'est dommage parce que la teinte aurait été sympa. On était sur un jaune, beige, enfin bon, voilà. Vert. Mais bon, je n'ai que ce petit morceau, donc je m'en contenterai. Donc voici pour le tissu et on attaque pour le papier. Donc on commence par les enveloppes. Voici pour les enveloppes. Je vais vous mettre ça comme ça. J'espère qu'on ne va pas être dérangé trop par les avions comme la dernière fois et je vais éviter de faire trop de bruit avec le papier. Donc l'enveloppe et voici par exemple quand on soulève, on a des démarcations. Donc franchement, c'est super cool. Je vous montre vite fait. Donc encore une fois, tout ce qui a séché en l'air est plus foncé, tout ce qui a séché dans l'herbe est moins foncé. Vous verrez, j'ai des petites pipettes. Zut, je ne les ai pas montées. J'ai des petites pipettes sur lesquelles je ne vous ai pas dit, mais pour les autres vidéos aussi, où j'avais fait des taches en fait ensuite avec du jus. J'ai oublié de vous le préciser. Des petites pipettes, je vais quand même vous la chercher. Alors, hop. Voilà, des petites pipettes de ce type, désolée, hein, je suis pas partie loin, des petites pipettes de ce type que j'ai, on voit pas bien, que j'ai trouvé, je crois, chez Soster Green, il me semble. Voilà, mais ça, je pense qu'on en trouve partout. Donc, ce qui m'a permis de prélever du jus et puis de venir faire des éclaboussures. Donc, j'ai fait ça principalement sur enfin, mes trois dernières teintures. J'ai oublié de vous le dire. Donc, quand vous avez des petites taches, eh bien, c'était fait avec ça. Et franchement, c'est génial. Après, si vous n'avez pas, vous le faites avec un pinceau, peu importe. Donc, voici pour les enveloppes. Ensuite, voici pour les cartes. Alors oui, j'aurais pu vous faire peut-être un comparatif. Je vous ferai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Peut-être
le rendu de toutes les teintures pour que vous ayez vraiment une comment dirais-je le rendu de toutes mes côte à côte, comme ça vous verrez les différences. Ça peut être bien. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous tourner ça. Mon fameux papier d'imprimante. Vous voyez, les couleurs sont quand même vraiment cool. Ah oui, mon enveloppe est là. Pour que vous ayez la différence de papier. Donc, mon fameux papier, donc merdique d'imprimante. Hop, on le soulève. On va passer au papier. Alors, vous voyez, papier froissé aussi, ce que ça donne. On peut avoir des super résultats. Alors, pas avec ce papier-là parce qu'il n'est pas assez solide et il se déchire. Mais voilà, ça peut être sympa avec un autre papier. Le fameux papier d'action. Donc, vous voyez, là, j'ai fait des tâches. Alors, les tâches que vous voyez sur ce papier-là, elles ont été faites avec le suro. Vous voyez, le rendu est très sympa aussi. Donc là, je vous montre plein de petites tâches. Et là, donc, c'est la teinture à l'ortie. Voilà. Bon, alors c'est vrai que je vous ai passé grossièrement pour les autres, mais j'aurais dû vous le passer en détail, puisque finalement, c'est là où il y a plein de tâches. Alors, mon fameux papier de musique, donc pour écrire des portées de musique. Voilà. Donc, ligné d'un côté et quadrillé de l'autre. Là encore, alors là, c'est pas une tâche. Il y avait vraiment, enfin, quand je l'ai fait sécher, il y avait beaucoup de jus. Donc, voici ce que ça a donné. Voilà. Alors, celle-ci, elle a eu du mal à sortir du bain. Donc, elle est toute froissée, toute abîmée. Voilà. Papier de cahier classique. Donc, vous voyez, là, je l'ai vraiment fait sécher avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de jus dessus. Et regardez, c'est vraiment formidable. Taché à la fois à l'ortie et à la mûre. Donc, ça, ce sont les feuilles lignées de chez Noz. Désolée, il y a encore un avion qui arrive. Évidemment, aujourd'hui, on est samedi. C'est un week-end de vacances. Alors, aujourd'hui, on est samedi 22 août. Et j'ai fait ces teintures samedi dernier. Voilà. En fait, dès que ma vidéo est sortie, que les filles m'ont donné les idées, je m'y suis attelée parce que je trouvais ça génial. Sauf que je voulais tourner que maintenant parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà, une semaine un peu chargée. Puis mon mari était en vacances, donc j'ai un peu profité de lui aussi, parce qu'il n'a eu qu'une semaine. Donc voici pour le papier quadrillé. Je vous montre l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment la teinture ortie, je trouve super. Vous voyez, plein de tâches là. Alors, donc ce sont des tâches que j'ai faites moi-même. Donc, je vous l'ai dit avec ces petites pipettes. Vous avez vu, c'est vraiment génial. Je pense que je vais m'en servir beaucoup. Ça fait un moment que je les ai achetées. Puis, à chaque fois que je fais la teinture, j'oublie de les sortir. Donc, je vous montre rapidement. Voilà, une autre feuille de cahier, mais c'est une feuille plus claire. Donc, vous avez vu, le rendu, évidemment, est plus clair aussi. Voilà. Alors là, ici, j'ai une feuille de cardstock Claire Fontaine que je n'avais pas pour la teinture à la mûre parce que je n'en avais plus. La teinture au sureau, pardon, puisque je n'en avais plus. Mais là, on est sur le cardstock Claire Fontaine. Là, on est sur le cardstock d'action. Voilà, donc toujours un côté qui est plus sombre et plus foncé, plus clair et plus foncé parce que, encore une fois, il y a le côté séchage donc sur l'herbe. Et là, on va terminer donc par le papier aquarelle. Voilà, donc franchement, la teinture à l'ortie, je vous la recommande. Encore une fois, on peut en trouver partout. Donc voilà, une couleur super sympa. Eh bien écoutez, j'espère que ces vidéos, cette série de vidéos vous aura plu. J'espère avoir quelques commentaires. Je vous avoue que je n'ai pas eu beaucoup de commentaires, en tout cas pour les suivantes. Mais j'attends vos idées, vos commentaires. Et puis éventuellement peut-être une vidéo récap avec toutes les teintures que j'ai faites jusqu'à présent. Je vous dis à très vite. Bye !